Super Volleyball est, comme son nom l'indique, un jeu de tennis. La boîte arbore un clone d'Ivan Drago avec une esthétique que ne renierait pas la propagande américaine. Développé par Video System, il est sorti en 1989 dans les salles d'arcade, puis a été porté sur Mega Drive 2 ans plus tard. Le titre avait été recensé dans l'honorable magazine Joystick et testé par le non moins honorable Gem Destroy. Noté 85%, Super Volleyball s'était fait littéralement pomper. Super Volleyball étonne surtout par la qualité de l'animation des joueurs sur le terrain. D'une maniabilité sans anicroche, cette simulation sportive pouvant se jouer à deux est captivante, bien que parfois un peu répétitive. Pour ma part, c'est une totale découverte. Ayant connu sa suite sur Neo Geo CD, je n'avais pas spécialement accroché. Alors, que dois-je attendre de son ancêtre ? Allez, rebonjour et nous voici dans Super Baseball, un jeu de tennis, hein, comme son nom l'indique. Alors, un petit coup dans les options, ça fait jamais de mal. Rapidité de la bouboule, on va rester sur normal, ne prenons pas de risques. Handicap, je suis pas un handicapé donc je mets rien. AB, je sais pas ce que c'est. Allez hop, c'est parti, normal game. Allez, on se prend qui ? On va se prendre la bonne vieille URSS des familles contre eux. Allez, contre les Chinois. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, les Chinois sont pas très forts dans les jeux vidéo. C'est parti. Alors, je vous préviens, je ne sais pas les y jouer. Je sais simplement qu'il faut appuyer sur le bouton quand la baballe clignote. Voilà. Alors, je vais essayer d'écrire ce qui se passe à l'écran. Une action trépidante. Ouh là là. Mauvais timing. Donc, le jeu, apparemment, on n'utilise que 2 boutons. Même si je ne suis pas encore certain de leur utilité. Hop. Je ne dirige apparemment que le personnage. Merde. Que le personnage situé à l'arrière, semble-t-il. Les autres sont générés automatiquement, à part peut-être les blocages, mais ça on va voir ça tout de suite. Hop. Quand la balle devient rouge, mince, mauvais timing, donc effectivement il faut appuyer sur B pour activer le joueur qui fait les blocages. En gros, un bouton B qui sert pour les blocages, un bouton A qui sert à toutes les autres actions. Bon, donc là, il faut bon timing, en fait. Il faut attendre que la baballe devienne rouge et appuyer sur A au bon moment. Donc, ça a l'air assez simple comme ça, mais j'ai l'impression que le jeu va jouer sur, évidemment, sur les bons timings. Là, typiquement, mauvais timing pour le blocage, ça ne sert à rien. Bam. Attention, non, j'étais mal placé là derrière. Mal placé en défense. Alors, heureusement, le jeu a l'air assez lent. Enfin, il est assez lent, donc ce qui permet quand même d'avoir le temps de... Ça vous donne le temps de se déplacer. Mince. Alors, j'ai l'impression qu'on peut jouer sur les distances en appuyant sur haut et bas. Donc, j'imagine que bas, ça permet de tirer au plus près du filet. Et haut, plus loin. Et je suis pas encore très sûr. Boum. Ok. Donc là, je pense que j'avais le timing parfait. Donc ça m'a permis de sortir un coup plus puissant. Allez. On continue. Alors, je sais pas comment on fait les super services. Ah, c'est pas encore ça. Hein. Je galère un petit peu, là, comme vous le voyez. Mais ça va venir, faites-moi confiance. Faites-moi un petit peu confiance de temps en temps, s'il vous plaît. Hop. Allez, non. Vous voyez, typiquement, là, j'ai dû appuyer trop tôt. Donc, il ne suffit pas que la balle soit en rouge. Il faut également taper au bon moment. Donc, c'est pas si facile que ça. Là, oula, c'était juste l'impression, mais c'est passé. Attention, blocage.
Ah! Il s'est pris le ballon en pleine poire, l'autre. Ok, premier set gagné par les Chinois. La Russie en PLS. Allez, on va se faire encore un petit set. J'espère qu'il sera meilleur pour moi et pour l'Empire. Allez. Réception. C'est bon ça. Attention. Bam! Blocage trop tôt, encore trop tôt. Oh, le boulet. J'appuie trop tôt à chaque fois. Bam! Ils ont bloqué. Deuxième manche qui commence très très mal. Très très mal pour Staline. Attention. Cette fois c'est la bonne, je le sens. Non, pas assez fort là. Je pense que j'ai pas tapé exactement au bon moment. Blocage encore foiré comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui perd. Et encore. Mais quel échec. Quel échec retentissant de la Grande Russie. Allez. Cette fois-ci, j'y crois. Bam. Ah, regardez-moi ça. Là, j'ai vraiment frappé au bon moment. Allez. Service. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est involontaire. Donc, je sais pas, j'ai dû appuyer sur une direction. Hop. Réception parfaite. Et smash. Un petit peu foiré. Attention, blocage. Allez, maintenant. Oh, mais c'est pas vrai. J'arrive jamais à bloquer, là. Boum, ça, c'est bon. Ok, je récupère la balle. Alors, pour ceux qui connaissent pas les règles du volleyball, il faut récupérer la balle pour marquer un point. Ok, encore une fois, je ne sais pas ce que je fais. Et je vous dis, Staline se retourne dans sa tombe, là. Hop. Smash. Foiré. C'est pas assez puissant, ça. Attention, blocage. De mes couilles, non. Encore blocage. C'est un échec total. La Chine jubile. Attention, attention cette fois. C'est la bonne, je le sens. Toute la Russie est derrière son équipe. Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attention. Cette fois-ci, j'y crois, mais... Possible, crachez-moi la gueule, mais crachez-moi la gueule. Si j'étais de mauvaise foi, je dirais que c'est à cause de ma fille qui me dérange, oui, qui parle trop fort, mais ça passera pas. Allez, Kanoff, hop, tu vas faire Kanoff. Attention, bam, balle récupérée, elle est sortie. Elle est sortie, fausse alerte. Chut, pas de travail. Cette fois-ci, que va-t-il se passer? Vais-je réussir à bloquer? Oui, un blocage parfait, un timing parfait, une cohésion parfaite entre l'équipe. Allez. On essaie de garder ce bon rythme. Regardez-moi ça, dommage. Mais ça commence à venir là, je commence à comprendre les blocages. En fait, il faut vraiment appuyer sur le bouton au moment, juste avant que l'adversaire frappe la balle. Donc c'est une question d'habitude, hein, je viens de vous dire. Ah, pas mal, c'est un peu assez puissant là, mais c'est pas passé. Blocage, blocage qui est passé parfaitement. Zadig et Voltaire est content, il a bien raison. Attention. Son blocage là, parfait. Encore un timing parfait. J'enchaîne les succès. La Grande Russie peut être fière de moi. Allez. Attention. On se concentre. Blocage. Blocage encore.
ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Encore une victoire de Zadig et Voltaire. Alors ça fait penser à l'autre abruti qui avait confondu Zadig de Voltaire et Zadig et Voltaire. Je sais plus quel ministre c'était. Enfin, petite parenthèse. Attention, attention, attention. Je me suis enflammé là. Allez, dernier point pour remporter le set. Et je veux une hola à mon encontre. Ouf, ça c'est puissant. Écoutez, je crois que j'ai récupéré la balle maintenant. C'est maintenant ou jamais. Pour les mettre en PLS. Allez, blocage. Blocage raté. Mais réception parfaite. Et voici le point final. Je remporte le set. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute. Un sympathique jeu que je n'ai pas assez creusé pour le juger, évidemment. Probablement plus adapté au jeu à deux joueurs qu'en solo, bien sûr. C'est une évidence. Allez, à plus.